Bonjour amis internautes, spectateurs de communication en ligne. Nous vous souhaitons une heureuse année 2016. Alors, au titre de notre première émission concernant l'année 2016, nous sommes aujourd'hui à Lindenhof, à Zurich. Lindenhof qui est un endroit mythique de la ville de Zurich. Vous le constaterez vous-même à travers l'émission. Alors donc, nous avons le parc. Un parc très mythique, situé en plein centre-ville de Zurich. Voilà. Alors maintenant, la caméra va se tourner vers la ville de Zurich. Et vous constaterez qu'à partir de cet espace mythique, nous avons une visibilité périphérique sur la ville de Zurich. Nous allons commencer du côté gauche, selon ma position. Alors, vous avez là-bas, vous avez l'université de Zurich. Voilà, donc vous apercevez la coupole dans le fond. Et tout à fait en bas de l'université de Zurich, vous avez le célèbre quartier Niederdorf. Niederdorf, c'est l'un des endroits les plus chauds de la ville de Zurich. Et là, lorsque vous êtes dans cette ville et que vous avez besoin de distraction, c'est à cet endroit justement que vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faudra pour vous satisfaire. Alors, donc, nous avons ensuite une magnifique vue périphérique de la ville qui s'étend depuis l'université jusqu'à la cathédrale de Zurich. Voilà la cathédrale que vous apercevez là-bas. Alors, la spécificité et spécificité de cet endroit, justement, est qu'à partir d'ici, vous avez une visibilité, non seulement sur la ville, mais sur, vous avez ici aussi l'Imat. L'Imat, c'est le fleuve, le cours d'eau, excusez-moi, qui traverse la ville de Zurich en partant de Bellevue. Voilà. En revenant à Niederdorf, même, je disais tout à l'heure que c'était un endroit mythique, dans le sens où cet endroit est le pôle d'attraction pour les touristes, les étudiants, les amoureux, les solitaires, bref, tous ceux qui en quête d'un certain soulagement viennent ici pour savourer le bonheur de contempler la ville de Zurich. C'était Banao Nambo depuis Niederdorf, au centre de Zurich, communication en ligne.